Excellente journée à toutes et à tous. L'actualité démarre au palais présidentiel où s'est tenu hier le Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs mesures ont été adoptées, notamment l'immatriculation des professionnels des filières agricoles, la création d'un statut juridique pour les réfugiés en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a décidé également de la réforme de l'enseignement supérieur à travers notamment la création d'une nouvelle catégorie d'établissement public national dénommée établissement public à caractère scientifique et technologique. Toutes ces informations à retrouver dans les détails avec Viviane Aïma dans nos prochaines éditions. Dans l'agenda de la Première Dame, Dominique Ouattara est arrivée hier à Brazzaville, la capitale politique de la République du Congo. Elle a été accueillie par Antoinette Sassou Nguesso, Première Dame de la République et présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement au OPTAD, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo et les membres de la communauté ivoirienne basée dans ce pays. La Première Dame de Côte d'Ivoire prendra part à la 26e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique qui se tiendra les 9 et 10 juin à Brazzaville. Les travaux seront marqués notamment par l'élection de la nouvelle présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Autre volet de l'actualité, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance passe à la répression des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine recevront des notifications des commissaires de justice. Une cérémonie d'information s'est tenue à cet effet. Sephora Zeghi, les détails. Fini la phase de sensibilisation pour la déclaration de patrimoine. Place à la répression. Emmanuel Assi, au nom du président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, l'a annoncé à la presse. Depuis 2015, seulement 78% des assujettis à la déclaration de patrimoine ont effectivement déclaré leurs biens. Les 22% restants sont invités à le faire sous peine d'amende. En termes de sanctions, il est important de rappeler que tout agent public assujetti qui refuse de déclarer son patrimoine ou qui fait une fausse déclaration encourt une amende égale à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction occupée ou le mandat exercé ou à exercer. À travers la présente cérémonie, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance entend informer l'ensemble des assujettis à la déclaration des patrimoines du passage à la phase de répression. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance veut renforcer à travers cette action la transparence dans la gestion des fonds publics. Cette tâche sera l'affaire de la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'auxiliaires de justice, notre rôle serait d'inviter, sinon d'inviter les assujettis lorsqu'on sera requis par la Haute Autorité aller venant au domicile ou au service de ces personnes assujetties pour leur donner l'information qu'ils sont appelés pour laisser trace écrite en fait. En réalité, pour laisser trace écrite, pour ne pas que ces assujetties disent qu'ils n'ont jamais été convoqués, n'ont jamais reçu telle invitation. Les assujettis à la déclaration de patrimoine doivent déclarer leurs biens dès leur prise de fonction ou mandat. Ainsi qu'à la fin de ceci, dans un délai de 30 jours, lorsqu'un changement survient, ils doivent faire une mise à jour ou une déclaration de cessation d'activité. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a signé en 2019 une convention de collaboration avec la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire afin de mettre en application les mesures prévues par la loi en la matière. Dans le reste de l'actualité, au Gabon, les syndicats, ou alors la Fédération nationale des syndicats de la culture et des arts a récemment jeté un pavé dans la mare via les réseaux sociaux. Eh bien, elle plaide pour la suppression de la dot au Gabon, car celle-ci devient de plus en plus chère. Les familles demandent trop de présents, donnant l'impression que la dot devient une vente de la future mariée, une proposition loin de faire l'unanimité dans la société gabonaise. Point final, excellente journée à toutes et à tous. On se retrouve à